Donc je disais, on voulait valider aujourd'hui tout ce qu'on avait fait bien sur la saison. Quand on a été premier pendant 20 fois, c'est vraiment mérité de monter. Donc voilà, ce n'est que justice aujourd'hui, je pense. Même si ça a été dur, dur pour les nerfs, dur pour le cœur. Mais c'est aussi ça qui fait la beauté, je dirais, de ce sport. Ça peut basculer très vite d'un côté ou de l'autre. Voilà, je félicite les joueurs parce qu'ils ont un état d'esprit exceptionnel. Je suis vraiment content d'être ici et de vivre ce que je vis aujourd'hui. Je suis très heureux, c'est un aboutissement. Mais après avoir été quand même premier pratiquement toute la saison, je suis vraiment content pour les garçons et pour Stéphane. C'est un aboutissement. Ça a été dur le match ? Ben oui, comme les trois derniers, parce que ben, les garçons avaient un petit peu la pression et puis je pense qu'ils sont un peu aussi fatigués de leur saison. On le voit dans tous les autres championnats, c'est dur. Dès que les derniers matchs arrivent, c'est très très compliqué. Un grand bonheur pour Châteaubriant, pour la ville, pour le club et voilà. C'est superbe. Très heureux puisque c'est la première fois pour les CIO et pour la ville et toute la région Castelbriantaise, parce que les Voltigeurs sont un club qui rayonne sur toute la région. C'est un moment historique et très encourageant et c'est un beau moment de bonheur. Vous avez vécu difficilement la fin de match ? Non, parce que j'étais confiant depuis le départ. Je pense que non, je n'ai pas été inquiet du tout. Vous imaginiez ça en début de saison ? Objectivement non, mais à partir de la mi-saison, oui. Ouais, c'est bon. Ils étaient fatigués un peu nos blancs, là, nos Castelbriantais, mais bon, c'est bon. Hein. La saison a été dure quand même hein, pour eux. Mais ça a bien joué, on a été très contents et c'est pour ça qu'aujourd'hui on était encore là. De qui ? Florian Dupuis. Et alors, comment t'as vécu le match ? Plein de sensations, plein de suspense, c'est vraiment incroyable. T'as eu peur ? Bah un peu, quand ils ont pris le premier but de Brest. J'ai toujours été confiant. Ah ben c'est bien. Et l'année prochaine, ça va donner là.